Philippe Allaire, les jours se suivent et se ressemblent. Oui, bah oui, l'année 2018 démarre bien, on est ravis, gagner un groupe 2 avec une suite Ready Cash après les mâles d'hier. Je vous avoue que j'étais un peu tendu parce que la jument ayant sauté une course, on sait qu'elle est très bonne. Elle a sauté une course, elle a sauté un travail avec son petit hématome sur le genou. Première fois grande piste, j'ai pris le risque de ne pas l'emmener travailler. J'ai dit Eric, elle a assez de travail, c'est une jument assez légère. Bon, elle a un petit peu de poids pour monter la côte parce qu'elle est un peu demi-ambleuse. Mais bon, on a eu la course parfaite. Je tiens à remercier Björn Goop qui était un gentleman de faire un relais. Ça a pu faire respirer ma jument. J'ai remercié Björn Goop qui m'a dit c'est l'équipe qui gagne, c'est le principal. Je lui dis que c'est un gentleman. Voilà. Mais ça, on le sait, c'est un gentleman vraiment. Et Eric a mené une course parfaite. Non, c'est magnifique. 6 courses, 6 victoires pour cette pouliche. Je suis ravi pour son propriétaire éleveur. C'est vrai que lorsqu'Eric voit Jean-Michel Bazir arriver, tout de suite, il se décale pour ne pas se faire piéger. Ouais, ils se connaissent avec Jean-Michel, ils drivent tous les jours ensemble. Il n'y a pas de vacherie, après c'est tactique. Jean-Michel l'a fait sortir plus tôt que prévu. Jean-Michel dort pas, évidemment, c'est pour ça qu'il est cravache, enfin, qu'il est celui qui dort depuis de nombreuses années. Il a provoqué le décrochage de ma jument, sachant qu'elle n'était pas trop pleine, trop prête de la faire tourner un peu en dehors, c'est son métier. Mais bon, voilà quoi. Elle a prouvé qu'elle était vraiment au-dessus. Pour l'instant, elle domine les femelles, mais voilà, la route est longue, mais ce qui est bien, ce qu'on lui demande, de faire, elle le fait vraiment très très bien, c'est une très très bonne pouliche. Elle va courir le prochain groupe 2, le critérium, on verra. Entre les mâles, je ne sais pas encore, on discute avec le propriétaire éleveur. Mais quoi qu'il arrive, elle court le prochain speed classique. Et une petite comparaison, pouliche-femelle. La pouliche mâle, pardon. Ouais. Elle est douée, c'est Eric qui peut répondre. Il faut voir 2100 la prochaine fois, il faut voir Feliciano lundi, demain. C'est des courses de mâles, le critérium, parce qu'on cherche à avoir des étalons dans les groupes 1. Les femelles ne font qu'un poulain par an, maintenant ce ne sont pas les mêmes propriétaires. Si mon propriétaire veut absolument courir, je ne peux pas le contrarier. On va voir avec Eric Raffin, mais bon, chaque chose en son temps, la route est longue. Mais on est heureux de cette bonne pliche, voilà. Et l'entraîneur Philippe Allaire est bien armé. Oui, on est bien armé pour l'instant. Pour l'instant, on a quoi répondre. On a quoi répondre à nos adversaires. Merci Philippe.